Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Et ce soir, lundi 18h, bah ben non, c'est pas bon ou mauvaise, je vais vous proposer un top 007. Alors ce top 007, je n'ai pas su trop comment le nommer ou le qualifier. Je l'ai nommé arbitrairement les arrivées bondiennes. Et je vais m'expliquer sur ce terme et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Mais avant ça, je voudrais faire une petite précision. Vous l'avez sans doute constaté, le rythme des vidéos sur notre chaîne est devenu très irrégulier depuis ce dernier mois. Malheureusement, euh, on a tous des obligations professionnelles, personnelles, on a tous des statuts différents, nous les 13 personnes qui constituons cette chaîne, je ne vais pas redonner les noms parce que vous les connaissez tous, mais je veux dire, il y a des périodes où ce n'est pas forcément évident de se coordonner. Euh, qui est célibataire, qui a des enfants, qui est en couple, euh, qui euh, a un boulot qui lui prend énormément de temps, etc. C'est mon cas en ce qui me concerne. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas été en mesure de se mettre d'accord, de trouver des créneaux où on puisse travailler tous ensemble. Rassurez-vous, cette situation n'est que temporaire. Normalement, la chaîne devrait reprendre son rythme normal à partir du mois de septembre à hauteur de deux vidéos par semaine, à savoir une chronique et un direct. D'ici là, on aura quand même le break du mois d'août, enfin juillet, août pour être précis, où, naturellement, à l'instar de ce que j'ai fait l'année dernière, on aura des directs d'été totalement en format avec des thèmes pour le moins originaux. Et je veux dire, cette période-là, euh, où on a tous des obligations personnelles, professionnelles, euh, les aléas de la vie qu'on est obligé de subir au quotidien, et je veux dire, malheureusement, c'est comme ça, c'est aussi le propre d'une chaîne, où derrière ça, il y a des humains. Euh, on aurait tous le désir, effectivement, de vivre chez nos parents, de vivre l'aide sociale, etc. Mais la vie, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, euh, tout ça pour dire qu'actuellement, nous sommes dans une période un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais on arrive quand même un temps soit peu à sortir des vidéos, à se coordonner et j'espère que la situation sera rétablie euh, d'ici euh, quelques semaines, voire quelques mois. Vraisemblablement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de septembre. Et donc pour en revenir à la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, top 007 des arrivées bondiennes. Alors qu'est-ce que j'entends par arrivées bondiennes Ce sont tout simplement des séquences qui existent depuis 60 ans dans tous les James Bond qui permettent en 1 minute, 1 minute 30 d'exposer de, euh, un nouveau pays, des nouveaux personnages, des nouvelles séquences, voire pour les producteurs de faire du placement de produits, et la, la saga, depuis 60 ans, elle en est truffée. Alors, il y en a qui sont réussis, d'autres un peu moins, euh, et surtout, ce sont des séquences qui permettent, d'une part, aux réalisateurs de se faire plaisir, de montrer leur savoir-faire, les directeurs-photos de pouvoir travailler pour se mettre très à la, à la couleur locale, et pour les compositeurs vraiment de faire... Euh de montrer, quelque part, leur savoir-faire et leur capacité à s'adapter et à se mettre vraiment au... Pas au goût du jour, mais vraiment de se mettre dans, dans, dans l'action, vraiment de se mettre dans la thématique, dans l'ambiance. L'exemple que je prends souvent à ce sujet-là, des arrivées bondiennes c'est quand même l'arrivée de James Bond-Roger Moore dans Octopussy, où John Glenn nous réalise en cinémascope un super plan du Taj Mahal, ou Alan Hume, directeur photo... Euh réchauffe sa photographie où il utilise un, une ambiance très sériole et John Barry qui adopte pour le coup des ambiances et des thématiques et des instrumentations très orientales. Effectivement, il n'y a pas besoin de mettre un sous-titre en bas de l'écran comme c'est le cas dans beaucoup de films et dans beaucoup de séries actuellement. Non, on comprend tout de suite grâce au réalisateur, grâce au directeur photo, grâce au compositeurs que nous sommes clairement dans un pays d'Asie et en particulier en Inde. Voilà, cette séquence qui dure une minute là encore, permet de présenter James Bond euh, très bien habillé etc. présenter le personnage de Vijay et présenter un petit peu l'ambiance et euh, les différents enjeux présentation de Kemal Khan etc. bon là je fais une extension parce que la scène réellement dure 3 minutes mais en 3 minutes tout est résumé Bond arrive en Inde il sait quels sont ses alliés ils sont quels sont ses ennemis euh, voilà et je veux dire, c'est pour moi un très bon exemple. Mais dans la saga, il y en a plein d'autres. Et justement, je vais vous présenter mon top 007 de ces séquences-là. Euh, et je vous dis à tout de suite. Alors, par définition, c'est un top 007. Donc, c'est un classement qui m'est personnel. Donc, par définition, subjectif. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord ou pas, à. Commentez cette vidéo et surtout n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne, c'est important. Et on va démarrer tout de suite avec mon numéro 7, aurait pu très bien être mon numéro 1, tant la scène, euh, bah je l'apprécie, mais je ne sais pas comment la classer. Alors tout de suite, le numéro 7. Justement, bon, c'est toujours amusant de voir un petit peu la réaction des autres clients, etc. C'est une scène que j'apprécie énormément euh, au point que je ne sais pas comment la classer ou en 7 ou en 1. Bon, j'ai opté euh, arbitrairement pour le numéro 7. Voilà, c'est typiquement euh, une scène qui est. Bien réalisé, qui donne, qui met la part belle vraiment sur la comédie. Et on présente une fois de plus le personnage de James Bond tel qu'il est, c'est-à-dire un personnage sérieux, mais aussi sous les traits de Pierce Brosnan, qui sait jouer la comédie, et Brosnan est absolument impeccable dans cette scène. Euh. Il n'y a absolument rien à dire, euh, j'aime beaucoup la musique de David Arnold, la réaction des différents clients, la réaction de M. Chang, du réceptionniste, etc., qui lui demande une carte de crédit, etc. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on devrait revoir dans les James Bond à venir. Effectivement, bon, ça fait très euh, film de divertissement, c'est vrai que le côté sérieux est un petit peu mis de côté, mais justement c'est ça qui a fait aussi l'ADN de James Bond, ce genre de séquence. Qu'on ne voyait pas dans d'autres films, où James Bond pouvait se permettre de jouer avec sa propre image. C'est-à-dire, il a tellement de, de charisme, d'autorité, qu'il peut se permettre d'arriver dans un palace ou un hôtel 5 étoiles, euh, avec une tenue de SDF, des de flotte, et on lui ouvre tout de suite la suite présidentielle. Voilà. Et c'est ça que j'aime dans les James Bond, et c'est ça qui fait que cette scène est une des, probablement, une très bonne arrivée bondienne. Numéro 6, j'ai choisi une scène de Casino Royale parce que pour moi cette scène est très intéressante. C'est l'arrivée de James Bond aux Bahamas. James Bond n'avait pas remis les pieds aux Bahamas depuis permis de Tuer en 89 avec la capture de Sanchez. Euh, Daniel Craig nous montre dans cette séquence que progressivement James Bond est en train de devenir 007, L'élégance, la classe, la photographie euh, qui est absolument magnifique, hyper saturée, la réalisation extrêmement sobre, presque académique de Martin Campbell. Euh, cette scène-là, honnêtement, avec la musique de David Arnold, bah, elle présente James Bond tel qu'on se le représente dans l'imaginaire collectif. Et occasion aussi pour les producteurs de faire un placement de produit pour le dernier modèle de chez Ford, à l'époque, la Ford Focus. Euh, je veux dire, cette scène-là, elle est bien filmée, elle est bien photographiée, elle représente vraiment ce que James Bond doit être. Euh, il arrive en costume beige, etc., très couleur locale. Euh, C'est une scène extrêmement classique, mais je veux dire, la façon dont elle est mise en scène, dont elle est photographiée, dont elle est euh, mise en musique, ben finalement, on sait clairement que grâce à ces séquences-là, on est clairement dans un James Bond. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a eu quand même le besoin de sous-titrer la scène en expliquant que James Bond se trouvait aux Bahamas. Ce qui n'aurait pas été le cas forcément dans un film qui aurait été tourné il y a 10 ou 20 ans en arrière. Voilà. Euh, cette scène-là, moi je l'aime beaucoup parce que, voilà, comme je l'ai dit, James Bond devient progressivement 007 tel qu'on se représente. C'est une, une séquence extrêmement courte, extrêmement brève, qui permet vraiment de tout dire. On a tous les enjeux qui sont mis en place, James Bond arrive dans un nouvel endroit, on voit le yacht du chiffre, on voit sa nouvelle voiture, enfin, une voiture de location en l'occurrence, avant de se rendre à l'Ocean Club où il commencera à mener son enquête sur Dimitrios. Voilà, euh, très bonne scène, numéro 6 pour moi. Franks, your passport is quite an order. Or anyone seeing you in that outfit, Money Penny, would most certainly be discouraged from leaving the country. What can I bring you back from Holland? A diamond? In a ring? Would you settle for a tulip? Yes. En numéro 5, une fois n'est pas coutume, un petit peu à l'instar de tout à l'heure pour les quasi-royal, les diamants sont éternels. Alors là, je veux dire, on a une scène qui est vraiment emblématique du travail qu'est capable de faire Guy Hamilton. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas lui qui l'a tourné, c'est la deuxième équipe. Non, voilà, je plaisante, mais cela dit, on a James Bond qui part pour la Hollande. Euh, utilisation hyper intelligente du cinémascope avec euh, la capture du départ de Douvres du, euh, de l'Overcraft technologie euh, en, partie, en, en partie française, euh, mais qui a été développée par les britanniques. Euh, Bonne part de Douvres, visiblement se rend ou à Calais ou à Boulogne-sur-Mer en vue de partir pour la Hollande. Je veux dire, ce qui est très intéressant dans cette scène, c'est pas tellement la façon dont c'est filmé, dont c'est photographié, c'est surtout la musique de John Barry qui signe là probablement une des version les plus tonitruantes du James Bond thème. Et ce qui est très intéressant dans cette scène, et c'est pour ça que je la mets en numéro 5, c'est pas tellement l'Overcraft en tant que tel, euh, mais c'est surtout le contraste qu'il y a entre la partition de Barry lorsqu'on voit l'Overcraft et ensuite le plan suivant où Bond est en Hollande avec une musique beaucoup plus... Euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, etc. Mettant davantage en valeur le côté... Euh, comment dirais-je euh, calme pacifiste de, de la Hollande et de Amsterdam en particulier. Je veux dire, voilà, ce qui est intéressant dans cette scène-là, dans cette arrivée-là, c'est le départ de Bond de Douvres et l'arrivée en Hollande. Euh, je veux dire, il y a un contraste qui est absolument phénoménal. Et je veux dire, c'est ça qui est intéressant dans système, Et effectivement, il y a du placement de produits pour euh, la société qui exploitait à l'époque, en 1971, euh, euh, l'Overcraft euh, depuis 1968. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du placement de produits qui n'ose pas dire son nom. Euh, C'était une façon de faire de la promotion pour euh, ce système de transport et ce moyen de transport qui était totalement à l'époque inédit et qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Voilà, donc une très très bonne scène. Euh, bon, c'est pas Guy Hamilton qui l'a réalisé, mais ça peu importe. Toujours est-il que la deuxième équipe et le directeur photo de la deuxième équipe a su prendre la mesure de ce que c'est que tourner un film en cinémascope. On sera très loin dans cette séquence-là des réalisations de... Euh de Guy Hamilton dans les deux films suivants. Là, on sent honnêtement qu'il y a vraiment un travail sur l'image, euh, qu'il y a vraiment un travail de composition, et ça, honnêtement, je pense que ça apporte euh, d'une certaine manière un plus au film. En numéro 4, j'ai choisi une séquence de jamais plus jamais. Alors là, on est face clairement à une masterclass. Euh, je veux dire, photographiste Douglas Locombe, réalisation euh, d'Irvin Kirchner. Euh, cette scène là a été tournée en septembre 1982. Je ne vais pas rentrer dans le making of, mais je veux dire, un petit peu à l'instar de ce que faisait John Glenn dans Rien que pour vos yeux, euh, on sent clairement que ça a été tourné durant la golden hour, c'est-à-dire euh, le moment où le soleil se lève ou le soleil se couche. Euh, je n'ai pas le détail de la séquence, mais on sait que ça a été tourné soit vers 19h-20h, soit vers 4h-5h-6h du matin. Euh, je veux dire, et là cette séquence-là, elle est hyper intéressante parce que la villa dans laquelle réside Bond, qui a été louée par Nicole, l'agent 3 de 6, n'a jamais été exposée et ça permet de voir toute la structure et l'architecture de cette ville-là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Sean Connery arrive en smoking, il vient de finir sa soirée au casino, vraisemblablement il va se coucher, et j'aime beaucoup l'ambiance de cette scène parce que la musique de... La musique de Michel Legrand... Euh, apporte vraiment un plus. C'est une musique très jazzy, etc., très détendue, etc. Et justement, j'aime bien le contraste dans cette, dans cette arrivée dans la villa. Euh, Bond prend une pomme euh, et euh, visiblement va se coucher. Mais à un moment donné, il y a un événement qui va arriver. Euh, Bond plante sa pomme et on embraye directement sur la fuite de Fatima et la poursuite de Fatima avec la moto et la Renault 5 Turbo 2. Je veux dire, cette séquence-là, honnêtement, ça montre tout le potentiel euh, de Douglas Locombe et de Erwin Kirchner de réaliser vraiment de très belles séquences qui sont 100% baudiennes dans un film pourtant que beaucoup qualifiaient euh, de non-officiel, de dissident, de... Euh, euh, de hors-série, etc. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On l'a déjà eu moult et moult fois. Euh, je veux dire, j'adore cette séquence parce que c'est bien filmé. Là encore, c'est bien photographié. Euh, Sean Connery est d'une élégance dans son smoking euh, designé et coupé par Doug Eward. Euh, je veux dire, pour moi, c'est absolument parfait. Euh, je veux dire, ça donne vraiment toute la mesure du luxe qui peut euh, exister sur la côte d'Azur. Euh, je veux dire, et là non plus, il n'y a pas besoin d'explication, on sait clairement qu'on est dans le sud de la France, Bond a déjà rencontré l'argot, mais il n'a pas eu affaire directement pour le moment à Fatima Blush, euh, à part aux Bahamas, mais de manière euh, moins directe, et là, clairement, on sent qu'on arrive vers la confrontation finale, avec la mort du Nicole, la poursuite, etc. Cette scène d'intro, qui fait une minute, permet vraiment de mettre en valeur tout le travail des équipes techniques et en particulier la musique de Michel Legrand et c'est pour ça que je l'ai classé à cette place-là, c'est-à-dire en numéro 4. En numéro 3, bah alors là, Cocorico, Cocorico je dirais, pourquoi j'ai choisi la séquence d'arriver en Concorde d'un Moodraker Parce que le Concorde, comme chacun sait, est un avion français, je veux dire, en 78, quand la séquence a été tournée, c'était les premières liaisons entre euh, Paris et Rio de Janeiro, avec escale technique, aux Açores, je veux dire, bon, on a le Concorde d'Air France, je veux dire, là, rien que la séquence, je veux dire, ça représente James Bond. James Bond ne pouvait pas voler en 78. Autrement qu'en Concorde. Euh, D'ailleurs, ce qui a posé quelques problèmes marketing à British Airways parce que le Concorde d'Air France était mis en avant. Euh, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il y avait 16 Concorde en exploitation, 8 pour British Airways, 8 pour Air France. Euh, et British Airways a pris sa revanche quelque part sur Air France avec le panneau publicitaire lorsque l'ambulancier s'encastre euh, avec la bataille dans l'ambulance. Euh, je veux dire, j'adore cette arrivée-là. Euh, on a Lewis Gilbert qui a filmé l'atterrissage du Concorde, euh, qui a été isolé sur une piste séparée. Roger Moore qui descend euh, habillé euh, de manière absolument somptueuse, euh, costume beige blanc, etc. Euh chemise de Mark Foster attendue par une Rolls-Royce Silver Shadow euh, si mes souvenirs sont bons un modèle de 1977 euh, avec le toit traditionnel pas le toit en vinyle euh, je veux dire voilà on a la, la poursuite avec le MP Laffer de euh, Manuela etc voilà c'est une, une très bonne séquence je veux dire voilà pour moi c'est l'archétype de l'arrivée mondienne Bond arrive en au Brésil euh, il arrive en Concorde je veux dire, à partir de là, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est absolument parfait. En plus, la musique de John Barry s'adapte parfaitement à la séquence. Euh... Quoi d'autre à dire En numéro 2, j'ai choisi une séquence de Skyfall, l'arrivée au casino de Macao. Alors là, euh, d'un point de vue technique... Je veux dire, je trouve, et j'ai toujours trouvé, que Daniel Craig avait euh, une coupe beaucoup trop courte. Mais par contre, la photographie est absolument géniale. En plus, dans cette séquence-là, l'avantage, c'est que ça présente Bond en tant que James Bond, mais pas que. Parce qu'il y a un subtil plan de coupe sur les dragons de Komodo qui présente un petit peu ce qui va se passer après. Je veux dire, la photographie est absolument somptueuse. On a Bond vue de face sur une espèce de, de pirogue qui arrive au casino de Macao. Je veux dire, les feux d'artifice derrière, euh, cette ambiance noire dorée, etc., c'est absolument génial. La musique de euh, Thomas Newman est géniale. Je veux, dire, je veux dire, je pourrais faire un long monologue sur cette séquence-là, mais en fait, les images se suffisent à elles-mêmes. Et je veux dire... Pourquoi faire un long discours Là, il suffit simplement de regarder les images. Je veux dire, c'est une séquence absolument géniale. Je veux dire, on a clairement euh, Daniel Craig qui est James Bond. Un petit peu à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, pour jamais plus jamais. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de long discours. C'est génial. Je veux dire, c'est absolument parfait. Euh, tout est chorégraphié photographie, réalisation, l'interprétation de Craig, impassible, etc. Euh, je veux dire, les enjeux sont clairement présentés. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, il y a toute la séquence avec Monet Béni, mais euh, ce n'est pas le but de la chronique. Je veux dire, cette arrivée-là, honnêtement, elle mérite clairement sa deuxième place. Et en numéro 1. Allez, je vous laisse deviner. Euh, je veux dire, les mauvaises langues, allez, je les laisse parler. Ben bah oui, effectivement, j'ai choisi une séquence de rien que pour vos yeux. L'arrivée en Lotus en Espagne, enfin, car elle a ré réellement été tournée à Corfou. Je veux dire, cette séquence-là, la présentation pour la première fois au public, même si ça a été fait euh, quelques semaines plus tôt euh, au Royal Albert Hall pour le nouveau, euh, la nouvelle version de la Lotus Esprit, euh, la version turbo, euh, je veux dire, c'est absolument génial. Je veux dire, le travail de la seconde équipe sur cette séquence-là, ça a demandé une journée de tournage et 13 prises. Je veux dire, tout a été calculé et comme je vous l'ai promis, je vous ferai une vidéo making-of de cette séquence-là. Je veux dire, rien que la musique de Bill Conti se met très au accent espagnol. Je veux dire, et la composition des plans, la voiture qui passe devant la caméra. Euh, plan de coupe avec Roger Moore regardant sa carte, etc. Gros placement de produit pour Lotus qui a quand même déboursé 50 000 livres rien que pour cette séquence avec deux voitures, deux pilotes, etc. Je veux dire, il y a absolument rien à dire. Je veux dire, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace. Je veux dire, on sent clairement que par les accents, par la photographie, James Bond n'est pas euh, en Angleterre, il est clairement en Espagne. C'est annoncé clairement par euh, partenaire un petit peu plus tôt, mais je veux dire cette séquence-là, elle est d'un point de vue de composition d'image absolument parfaite. On présente un nouveau véhicule, on présente un nouveau pays, on présente James Bond lui-même avec toutes ses qualités, euh, avec une nouvelle tenue, etc. Un changement de paradigme d'ailleurs dans les tenues de James Bond où il opte à un style... Pseudo-sportwear, etc., qui permettait, comme je l'ai dit et comme on l'a déjà précisé dans d'autres chroniques, qui permettait de camoufler un petit peu la silhouette assez vieillissante de Roger Moore. Voilà, il opte pour un... une veste en d'un, euh... mais je veux dire, voilà, c'est super bien filmé, c'est on sent clairement qu'on est dans une ambiance très espagnole, etc. Euh... Et tout ça, c'est absolument génial. Pour moi, c'est la plus belle arrivée. Parce qu'on passe des bureaux du MI6 à l'Espagne, euh, quasiment sans transition et je veux dire, on sent clairement dans quel pays on est, on voit clairement à travers la séquence, et elle dure 3 ou 4 minutes, même si la séquence qui m'intéresse, c'est une minute en particulier, euh, on a les enjeux, l'arrivée de Locke, euh, la présentation de la Victor, la, la, de la Villa de Gonzales, euh, la présentation de Melina aussi, en tant que, que vengeresse, etc. Euh, je veux dire, c'est une séquence qui est super bien filmée, euh, et qui, finalement, est à l'image du film, très académique, très sobre, Très efficace, elle va à l'essentiel. Et je veux dire, la façon dont la Lotus est filmée, euh, on sent clairement qu'on joue la carte du placement de produit à 200%. Et je veux dire, un petit peu comme dans Casino Royale, la séquence dont j'ai parlé, un petit peu comme dans Moonraker, la séquence du Concorde, voilà. Le jeu de la, de la, du placement de produit à fond les ballons, et ça fonctionne parce que ça apporte quelque chose à l'intrigue. Voilà ce que je voulais dire sur ces 7 séquences d'arrivée mondienne. Après, peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses à dire, d'autres choses à préciser. Vous connaissez le principe, les bonnes ou mauvaises, comme les tomes 007, c'est pas écrit, c'est pas, pas scénarisé. Euh, je veux dire, c'est vraiment du face caméra, spontané, etc. Et justement, c'est, je pense, ce qui apporte de la richesse et de la fraîcheur à ce genre de chronique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Donc je pense que des top 007, il y en aura plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, tant la saga est riche. Je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous dis à toutes et à tous, et je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, et surtout, et surtout, méfiez-vous des contrefaçons.